En 2018, les contribuables français ont payé 138 euros de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Bonjour ou bonsoir à tous. On a fêté en 2018 le centenaire de beaucoup de choses et chacun pense évidemment à la Première Guerre mondiale. Mais il y a un centenaire dont on a moins parlé, tout au moins chez nous, parce que ailleurs ça engendrait pas mal de discussions. C'est le centenaire d'une publication de l'un des livres sans doute objectivement les plus importants du XXe siècle, qui a exercé une très grande influence, qui a été passionnément critiqué et discuté. Et ce livre, c'est « Le déclin de l'Occident » de Oswald Spengler, dont le premier volume paraît en 1918, le second paraissant un peu plus tard, en 1922. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux excellents connaisseurs et spécialistes de Spengler, qui n'ont d'ailleurs pas, il faut, disons-le d'entrée, la même appréciation élogieuse ou critique de Spengler. C'est ce qui rend d'ailleurs le débat intéressant. Gilbert Merliot et David Engels. Gilbert Merliot, vous êtes bien entendu germaniste. Vous avez été très longtemps professeur à l'Université de Paris 4 Sorbonne. Vous êtes par ailleurs, je crois, le président du conseil scientifique de l'Institut Hannah Arendt de Dresde. J'ai été. Où vous étiez, oui. Et vous vous intéressez depuis très longtemps à Spengler, puisque votre premier grand livre sur Spengler, qui s'appelait « Oswald Spengler, témoin de son temps », est paru en 1982. Et après, vous avez évidemment publié de nombreux autres livres et articles sur la résistance à Hitler, sur le nationalisme politique, sur Nietzsche, sur Junger et sur bien d'autres sujets de votre spécialité. David Engel, vous êtes historien de nationalité belge, je crois. En 2005, vous avez publié une thèse sur la divination à Rome. En 2008, vous avez été nommé professeur titulaire de la chaire d'histoire romaine à l'Université libre de Belgique. Peu après, en 2009, vous êtes devenu rédacteur de la revue d'études latines Latomus. Et actuellement, vous vivez en Pologne. Et merci à ce propos d'avoir fait pour nous le voyage depuis Varsovie. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres et articles. Vous collaborez régulièrement en Belgique au journal Le Vif, l'Express. Et vous avez participé à beaucoup d'ouvrages collectifs. Mais en France, on vous connaît surtout pour un livre que vous avez publié en 2013 aux éditions du Toucan, qui s'appelle « Le déclin ». Et qui est une mise en perspective comparée de l'état actuel de l'Union européenne et de la fin de la République romaine, où vous exposez un certain nombre de ce qui vous apparaît comme des parallèles. Vous travaillez sur Spengler depuis un certain temps, et tout récemment, vous avez pris l'initiative, je crois, seul ou avec quelques-uns de vos collègues, de créer une société internationale, Oswald Spengler, qui s'est
immédiatement doté d'un prix annuel. Et ce prix a été décerné il y a un mois à peu près, au mois d'octobre, à l'écrivain français Michel Houellebecq. Alors, David Engels, d'abord, pourquoi Michel Houellebecq? C'est une bonne question. Bon, évidemment, ce qui tombe d'abord sous le sens, c'est toute la discussion sur l'ouvrage Soumission, qui est probablement l'ouvrage où Houellebecq se projette le plus dans un certain futur. Mais ce qui nous a plus frappé encore, c'est vraiment le pessimisme, le cynisme, le sentiment d'abandon, finalement, que reflètent les ouvrages de Michel Houellebecq, cette ambiance de fin, de rêve, de fin de culture ou de civilisation. Il nous semblait qu'il y avait là une ambiance vraiment proprement spenglerienne qui méritait certainement aussi d'être mise dans cette perspective historique-là. À certains égards, le prix aurait pu être remis à Michel Onfray. Je pense à lui parce qu'il a consacré une partie de sa thèse de doctorat à Oswald Spengler. Cela aurait certainement aussi été une initiative intéressante. Maintenant, pour nous, en tant que société Spengler, le but était de sortir un peu plus du cadre des philosophes, des historiens, et plutôt vraiment de s'adresser à de consacrer ce prix à des personnages qui avaient vraiment eu aussi un impact dans d'autres formes de création, notamment artistique, sinon, évidemment, on aurait dû commencer aussi à faire la liste de tous ceux qui ont contribué beaucoup à l'œuvre de Spengler. Il y aura d'autres prix. Certainement, certainement. On aura l'occasion. Alors, tout de suite, avant d'engager un débat, quelques points de repère biographiques qui sont toujours nécessaires. Oswald Spengler est né en 1880 à Blankenburg, dans cette région d'Allemagne qu'on appelle le Harz, c'est-à-dire dans le centre-nord de l'Allemagne, et il est mort à Munich en mai 1936. Il a été dégagé assez tôt pour insuffisance cardiaque de ses obligations militaires et il a entrepris des études poussées de philosophie, de mathématiques et de sciences naturelles. En 1904, il soutient une thèse sur la philosophie de Héraclite et en 1911, il devient écrivain à plein temps. Il se lance dans la rédaction de cet ouvrage fleuve. Le déclin de l'Occident. Pour parler de déclin, il utilise le mot allemand Untergang, c'est-à-dire qui désigne aussi ce qui coule, le naufrage, n'est-ce pas? Le livre a été traduit en France, d'ailleurs dans une traduction qui a le mérite d'exister, mais qui est très loin d'être parfaite, en quatre puis en deux gros volumes. Il est généralement d'ailleurs publié en deux volumes parce que c'est une œuvre d'une ampleur considérable. La sortie de ce livre en 1918 lui vaut, il faut bien le dire, une célébrité mondiale quasiment immédiate. On voit paraître, en l'espace de quelques mois, de quelques années, un véritable déluge d'articles, de brochures, de livres, pour l'approuver, ou le plus souvent d'ailleurs, pour le critiquer, mais qui montre que tout un débat autour des thèses spengleriennes bat son plein. Le but du livre, il le dit lui-même, c'est d'écrire une nouvelle philosophie de l'histoire, une morphologie, pour employer son terme, de l'histoire universelle, qui n'est pas du tout conçue à la manière habituelle, c'est-à-dire d'une façon linéaire, où on parle de l'Antiquité, puis du Moyen-Âge, la Renaissance, les temps modernes, mais au contraire, d'une façon synoptique, découpée entre huit grandes cultures, que Spengler conçoit à l'image des organismes vivants et des existences individuelles comme des entités qui naissent, qui se développent, qui fleurissent, atteignent leur apogée, déclinent et meurent. Et il établit cette comparaison par des analogies, je viens de le dire, portant sur tous les domaines, pas seulement économiques, politiques ou sociaux, mais également dans le domaine de la littérature, dans le domaine des arts, ce qui introduit évidemment une perspective complètement différente, parce que d'un point de vue spenglerien, nous sommes plus contemporains, nous, de ceux qui ont vécu une autre culture à la même époque que de ceux qui appartiennent à d'autres cultures et qui vivent... et qui vivent aujourd'hui. Alors, il faut s'arrêter évidemment
sur sa méthode pour que les choses soient bien claires. Qu'est-ce qu'on peut dire en complément? Il y a énormément à dire, bien entendu, Gilbert Merliot, sur la conception schlingerienne de l'histoire. Alors, tout ce que vous avez dit est évidemment exact. Ce que je dirais simplement, c'est que la cellule initiale du déclin d'Occident, c'est un petit écrit qu'il voulait rédiger pour souligner l'imminence de la Première Guerre mondiale qu'il ressentait, et qui s'intitulait « Libéral et conservateur ». Par là, par ces deux mots, il désignait les deux camps qui, selon lui, allaient s'affronter dans cette guerre mondiale. Un camp libéral anglo-saxon et accessoirement français, mais déjà, dans l'esprit de beaucoup d'Allemands à l'époque, la France avait terminé son rôle historique. Et un camp conservateur incarné par la Prusse-Allemagne. Et ça n'est qu'ensuite, au fond, si vous voulez, que est venue cette ambition, qu'il a un peu même lui-même dépassée peut-être, d'expliquer cet affrontement prochain qu'il sentait venir en le replaçant au sein d'une histoire, je ne dirais pas universelle, puisque elle n'est pas linéaire, comme vous l'avez dit, mais une histoire mondiale, hein, d'où la morphologie de l'histoire. Mais par exemple, dans la première préface à son premier tome, paru en 1918, il dit encore à la fin « J'espère que cet essai sera à la hauteur des efforts militaires qu'accomplissent nos troupes sur les fronts. Hein ». Donc, le but, je voudrais le souligner parce que j'y tiens, je pense que c'est vrai, son but initial, c'est un but politique, c'est-à-dire il veut enseigner aux Allemands d'où ils viennent, si vous voulez, comme pour toute philosophie de l'histoire, où ils sont et où ils vont, où ils doivent aller. Et le but, c'est évidemment, ils doivent gagner la guerre. On oublie toujours que le déclin de l'Occident a été écrit dans la perspective d'une victoire allemande, à laquelle Spengler a cru très longtemps, comme beaucoup d'Allemands d'ailleurs. Beaucoup d'Allemands. Oui. Vous avez raison de rappeler qu'il n'y a pas de philosophie de l'histoire innocente, qu'on puisse complètement décontextualiser. C'est très clair. Cela dit, que Spengler ait souhaité la victoire de son pays ne surprend évidemment pas, mais d'autres auteurs qui étaient dans son cas ont choisi d'autres méthodes ou d'autres différents types d'écrits. Je pense à quelqu'un comme Werner Sombart, par exemple. Donc, s'il s'est mis en devoir d'écrire ce qui était quand même un travail prodigieux dans lequel il y a forcément des choses à réviser, à discuter, mais c'est plus de 1000 pages d'histoire mondiale, vous avez raison, plus qu'universelle, c'est qu'en même temps, il a eu un certain nombre d'intuitions. Alors, il se disait doté d'un regard physiognomique, n'est-ce pas, pour regarder l'existence, la croissance et le déclin des cultures. David Engels, pour expliciter encore sa façon de faire, son approche des différentes cultures, les dénominations qu'il ordonne, il en distingue 8, je crois. Oui, tout à fait. En fait, pour Spengler, l'histoire telle qu'elle a en tout cas un sens métaphysique dans ce sens-là, est essentiellement de l'histoire des différentes cultures ou des Hochkulturen, hein, qu'il semble trouver dans l'histoire. C'est-à-dire, il y a l'Antiquité classique, évidemment, il y a les Égyptiens, il y a les Mésopotamiens, les Indiens, les Chinois, l'histoire aussi du monde proche oriental, il y a l'Europe, évidemment, il y a peut-être aussi la Russie, il n'en est pas le monde tout arabe à fait aussi. Certain. Voilà le monde proche-oriental, monothéiste, chrétien-arabe. Pour lui, ça c'est les 8 ou 9 cultures, et selon lui, ces différentes cultures ont une évolution qui est rigoureusement parallèle, et que lui, il perçoit parfois sous l'analogie des différentes saisons de l'année, parfois aussi sous l'analogie d'un être vivant. Il appartient quand même à ce courant philosophique qu'on appelle le vitalisme, et donc pour lui, chaque culture a sa naissance, sa phase de croissance, son apogée, son déclin, sa vieillesse, sa mort, ou en tout cas
une période post-historique qu'il appelle Fellahentum. L'idée en tant que telle n'est pas fondamentalement nouvelle. On peut déjà trouver dans l'Antiquité, chez Sénèque, chez Cicéron, chez Caton, cette idée de paralléliser. Chez Vico, plus tard, évidemment, même chez Hegel, dans le romantisme et l'idéalisme allemand, cette tentative d'une compréhension, des cultures par les phases d'un être vivant. Mais il est, je dirais, le premier à avoir systématisé d'une manière qui se voulait rigoureuse, même si elle n'était pas du tout autant qu'on aurait pu l'espérer, cette approche-là, et d'avoir vraiment essayé de montrer les nombreux parallélismes qui existaient. Et il faut le dire, grâce à ça, il est l'un des premiers historiens, je dirais, à vraiment avoir tenté de dépasser totalement l'eurocentrisme et la téléologie qui caractérisait l'historiographie du XIXe siècle, et d'avoir montré les analogies, les parallélismes, mais aussi donc l'égalité rigoureuse entre toute culture humaine. Alors ça, c'est une partie de son originalité, évidemment. Mais vous voulez peut-être ajouter un mot. Oui, bon, il a aussi, en dehors de ceux que vous avez cités, Herder, etc., dans le romantisme tardif, des précurseurs tels que Folgraf, Lassaux, puis ensuite des gens qui n'ont pas la même perspective que lui, comme Breizik, Müller-Lyer, où sont appliqués également ces schémas organiques, ces phases, je dis moi, en mauvais français peut-être, mais c'est un mot qu'on trouve en allemand, une phaséologie. Ce qui distingue évidemment aussi, c'est un penseur radical. Il va toujours, et c'est ce qui fait aussi sa force et sa faiblesse, je dirais. Il va aussi, je veux dire, par exemple, il va toujours au bout de ses hypothèses. Et vous disiez, à juste titre, il est le premier qui a essayé de bâtir un système assez rigoureux, malgré tout. On peut lui reprocher d'être peut-être un peu trop systématique, et on peut lui reprocher d'avoir une conception tellement chronométrique de la vie des cultures qu'il tombe dans un déterminisme historique qu'on peut ne pas accepter, et qu'il tombe même, on lui a fait souvent le reproche de biologisme, parce que on dit par exemple pour Herder la métaphore organiciste, pas seulement pour Herder, pour Vico, la métaphore organiciste, pour lui l'organicité des cultures n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Ce sont de véritables êtres vivants. Bien sûr. Et c'est ce qui lui attire, à tort ou à raison, là, il y a toujours une querelle, c'est ce qui lui attire le reproche du biologisme. Alors, ça, le problème, du vitalisme, tel qu'il a pu être exposé par Driesch, par exemple, et les philosophies de la vie en général, il y a toujours cette question du biologisme qui pose toute une série de questions annexes qui n'ont jamais cessé d'être débattues, les rapports entre nature et culture, le rapport entre l'homme et les autres animaux. Entre déterminisme et liberté. Déterminisme et liberté, bien entendu, la validité de ce type de comparaison, etc. Cela dit, il ne faut pas oublier que pour d'autres auteurs, c'est à l'inverse, l'assimilation de l'homme à une mécanique et à une machine qui, depuis Descartes, a été le modèle retenu. Ce qui fait qu'entre le risque de tomber dans le biologisme et le risque de tomber dans le mécanicisme, finalement, le second n'est guère meilleur que le premier. Mais vous avez raison, ça fait partie des reproches qu'on lui a adressés, et notamment son systématisme, qui est à la fois une grande qualité de son ouvrage, mais qui en même temps prête le flanc à la critique et même ouvre à certaines apories. On se souvient de Raymond Aron qui ironisait sur Spengler en disant « Spengler nous dit que toutes les autres cultures sont incompatibles entre elles, mais lui, comme par hasard, il les comprend toutes, il les analyse toutes ». Bon, évidemment, c'est une de ces contradictions classique. Donc on lui a reproché son systématisme, son déterminisme, son fatalisme, son pessimisme. Évidemment, il s'en est expliqué d'ailleurs dans une petite brochure intitulée « Pessimismus » avec un point d'interrogation, pessimisme, dans laquelle il explique évidemment que son pessimisme n'est jamais que du réalisme et qu'on n'accuse pas de pessimisme un médecin qui dessine un cancer chez un malade, parce que le cancer est là, et que par conséquent, l'optimisme, dit-il, est finalement une lâcheté. Optimisme, c'est alors, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que, en dépit de ce biologisme incontestable sur Spengler,
il a fait l'objet des critiques les plus variées, y compris chez ceux qui en tenaient pour un biologisme ou un racisme biologique beaucoup plus dur, beaucoup plus féroce, et qui trouvaient que son organicisme restait finalement assez timide. Bien entendu, en même temps, il a pris de front la catégorie progressiste au sens fondamental du terme, c'est-à-dire des tenants de l'idéologie d'un progrès technique et morale indéfinie de l'humanité, puisqu'il leur disait, évidemment, il les contredisait de manière frontale. Ce qui est intéressant, je trouve, de dire et de voir, c'est qu'il a aussi été critiqué dans certains milieux de droite en raison précisément de ce pessimisme. Et là, je dirais qu'il y a une équivoque que vous avez très bien soulignée, David Engels, dans différents écrits. C'est que beaucoup de gens qui se réfèrent à Spengler parce que le titre, le déclin de l'Occident, sonne de manière agréable à leur oreille, parce qu'ils trouvent que nous sommes, nous aussi, en déclin, mais font un contresens fondamental. Spengler ne dit pas du tout « nous sommes en déclin, mais si on emploie les méthodes appropriées, si on élimine ce qui ne va pas, les facteurs perturbants, quand on engage une meilleure politique, ben nous allons reprendre notre route de plus belle ». Spengler dit au contraire « non, c'est fini, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi que vous fassiez, vous êtes condamné aux formes politiques qui caractérisent les fins de règne, les fins d'histoire des grandes cultures, à commencer par un certain césarisme. Hein. C'est la raison pour laquelle, alors qu'il détestait Hitler, il avait une certaine faveur pour Mussolini, qui était pour lui un peu l'incarnation d'un des Césars des temps modernes. Mais en tout cas, Spengler est évidemment quelqu'un qui, pour employer une expression vulgaire, n'a jamais hésité à désespérer Billancourt. Hein. Il leur dit « c'est pas la peine d'espérer, on coule ». Alors, ce qui reste, c'est l'attitude éthique. Hein. On court en rond, on sauve, on se cache sous la table, ou alors on se tient debout et on sombre avec le navire. C'est là où il donne l'exemple célèbre, je ne sais plus si c'est dans L'homme et la technique, soldat. Du soldat qu'on a retrouvé debout à l'entrée de l'endroit qu'il devait garder sous les cendres de Pompéi, parce que personne n'était venu le relever. Ce qui est d'ailleurs un mythe historique. C'est sans doute évidemment un mythe historique, mais l'image est très parlante, et on sait que Spengler s'intéresse évidemment beaucoup aux questions de style, aux questions de tenue, et aux questions d'éthique d'une manière générale. Donc là, je crois que c'est important de bien souligner cela. Spengler est un professeur de réalisme. Alors, on peut bien entendu rejeter sa vue des choses. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'on peut ranger Spengler parmi les partisans de la théorie des cycles par certains côtés, oui, mais il y a eu quantité de théories des cycles depuis Vico, Evola et que sais-je encore. Hein, je crois que là, il faut faire la différence fondamentale entre une vision vraiment cyclique de l'histoire où, à la fin, cela continue à nouveau. Donc, quand on est arrivé une fois tout au fond, ben voilà, ça redémarre sur le même territoire avec plus ou moins la même culture ou la même société, et une vision qui est plutôt celle de Spengler, qui est une vision, si je veux dire, en courbe, où finalement, bah, la fin, c'est fini, et chaque civilisation, évidemment, se développe de manière analogue, mais quand la civilisation de l'Antiquité prend fin, ou celle de l'Occident dans les prochaines décennies, eh bien, ce sera fini, il y aura peut-être un jour une autre civilisation, autre part. Spengler pensait à la Russie, nous, on pourrait peut-être penser à l'Afrique ou à d'autres continents. Encore que. Voilà. Mais ce ne sera plus le même cycle, donc ce sera un renouveau, mais sur base d'une autre culture qui ne nous affectera pas nécessairement, nous, en Occident. Donc ce n'est pas vraiment un penseur cyclique de ce point de vue, c'est un penseur vitaliste. Non, mais là, je suis d'accord. Si on le modifie, Spengler, évidemment, il est intéressant. C'est-à-dire, si on dit, il peut y avoir. Lui-même insiste beaucoup. Et il dit explicitement, il ne peut pas y avoir. Parce que la culture, telle qu'il l'a définie, procède d'une âme. Oui. Qui naît un peu mystérieusement. Il ne voit pas du tout, d'ailleurs, les conditionnements politiques, économiques, géographiques de la naissance d'une culture. Hein. C'est une âme au sens romain du terme, c'est un principe vital. C'est un principe vital.
Oui, c'est un principe vital, mais c'est aussi l'idée, l'antélechie aristotélicienne, l'idée formative de Goethe, enfin voilà, c'est ce qu'il y a. Vision tout à fait. Et cette âme, au fond, ce qui donne son caractère à cette âme, c'est une certaine vision du monde, ein Weltbild. Hein, parce que cette âme qui naît dans un monde inconnu, elle cherche évidemment à le maîtriser en l'enserrant dans un système. C'est ça le début de toutes les cultures, et toutes les cultures, ou chaque culture plutôt, est délimitée par cette image du monde qui naît en même temps qu'elle naît. Hein. Et cette image du monde, elle donne, elle cherche à avoir d'abord une espèce de système religieux, le mythe religieux naît à ce moment-là, comme explication du monde, et ensuite il va se pervertir, selon Spengler, en mythe rationaliste. Hein. Religieux et aussi essentiellement spatial, évidemment. Je crois spatial, que mais aussi le temps. Voilà, et ton point, c'est là, je trouve que Spengler est très, très, très fort dans sa tentative, justement, de spatialiser, finalement, cette âme. Hein, ses parallélismes, je dirais, les plus frappants, c'est quand il essaye de décrire dans son œuvre la perception de l'espace, selon lui, fondamentalement différent, par exemple, le corporalisme de l'Antiquité, avec cette volonté de progrès européenne, etc. Oui, donc, c'est tout ça se tient, en effet. Ça peut être effectivement très suggestif. Je crois que ça fait partie de l'un de ses attraits, ce côté esthétique de sa philosophie d'histoire. Mais je reviens au problème du réalisme. Vous dites, et c'est vrai d'ailleurs, et on a dit quelque chose, moi c'est comme ça que je le prends actuellement, c'est un professeur de réalisme, c'est un lanceur d'alerte, hein. Mais si on suit son pessimisme, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est là que même David Engels ne le suit plus. C'est-à-dire qu'il parle, lui, d'un conservatisme, d'une renaissance dans ses conclusions d'articles, d'une renaissance de la culture européenne. Par exemple, je viens de lire votre article que vous m'aviez envoyé, en parlant de la Hongrie, là, vous voyez que peut-être ils sont les gardiens d'une culture européenne, etc. Pour lui, vous l'avez dit très justement, ce n'est pas possible. Et je me souviens que lorsque j'avais écrit cet article sur la technique, j'avais rencontré Armin Mohler, qui m'avait félicité chaleureusement, en me disant d'ailleurs en même temps, « sind ein lauer Liberaler », je vous l'ai déjà dit. Hein. Il m'avait félicité chaleureusement parce qu'il me dit, « Vous avez compris que la culture, « sie haben die Kultur über Bord geworfen », wie Spengler, hein, « sie haben verstanden », vous avez compris, pardon, il ne faut pas que je parle allemand, vous avez compris que Spengler balance la culture par-dessus bord. Je me souviens encore. Non, il n'y a pas de renaissance possible pour lui. Et donc, nous sommes acculés à quoi faire? À mourir. Alors, cette espèce de vision de la sentinelle sacrifiée, c'était un mythe aussi. C'est un mythe, mais c'était un mythe nationaliste, hein, qui courait un peu, il s'est chez Jünger. C'est tiré d'un roman historique, je crois. Il a confondu ce mythe si du légionnaire. Je ne sais pas, si c'est une racine historique. Mais en tout cas, c'était cette période d'héroïsation qu'il y a eu à la fin du 19e siècle, après Carlyle, etc. Chez Nietzsche aussi, évidemment. Hein, et il reprend ça. Alors, je trouve que dans le climat un peu de vitaliste qu'il y a, par exemple, dans L'homme et la technique, où il présente l'homme comme un animal de proie inventif, ce qui n'est pas tout à fait faux, d'ailleurs, ça prend l'allure d'une espèce de drame wagnérien, de romantisme, de la mort et du sacrifice, vous voyez. Je trouve ça aussi un peu suspect, même si on peut penser, comme l'a fait, par exemple, Onfray dans la petite préface qu'il a rédigé pour le livre, là, qui est pour la nouvelle traduction de Der Mensch und die Technik, paru chez Rouge et Noir, RN, on peut penser qu'effectivement l'attitude devant la mort est sans doute le critère ultime de jugement de la valeur d'un homme. Hein. C'est vraiment aussi l'esthéticisme, je crois, qui est vraiment typique pour cette fin de romantisme aussi, à laquelle Spengler appartient finalement beaucoup plus qu'au modernisme. Maintenant, je crois que si on veut vraiment synthétiser au maximum son message, et qui est aussi condensé, je dirais, dans les derniers mots du deuxième tome, « Fata ducunt volentem, nolentem traunt », cette citation de Sénèque, c'est-à-dire le destin guide celui qui est volontaire, mais tire derrière lui celui qui est récalcitrant. Je crois que là, le message n'est pas nécessairement celui d'un héroïsme à tout point, mais plutôt celui de vivre et d'organiser sa vie en adéquation avec la phase historique dans laquelle on vit sur le moment. C'est et que le vrai bonheur, ou en tout cas la vraie, le
le vrai accomplissement de son propre devoir en tant qu'humain est vraiment juste possible si on s'insère dans l'époque historique dans laquelle on est et si on se met non pas en opposition avec les réalités externes, mais quand on essaye de s'adapter au mieux au courant généraux. Je crois que c'est ça essentiellement. Oui, de ce point de vue-là, c'est évidemment aussi une réflexion sur la notion de destin, qui est une notion qui a joué de destin, oui. Hein, qui a joué évidemment dans l'histoire des idées et des religions un rôle essentiel et qu'on tend un peu à oublier aujourd'hui. Il y a quelque chose de la tragique destinée dans cette représentation des cultures. Mais je voudrais ajouter un mot. C'est un mot de vocabulaire. Nous n'en avons pas parlé jusqu'à présent. Et je crois pourtant que c'est très important. C'est une vieille problématique, d'ailleurs, les rapports entre les termes culture et civilisation, regardés au travers du prisme de la pensée française d'un côté et allemande de l'autre. Les Allemands donnent au mot culture une signification plus ethnologique, plus générale, mais pas universelle, que les civilisations. Il y a une chose qui est très typique, par exemple, lorsque le livre de Huntington, Le choc des civilisations, a été traduit en allemand, on l'a traduit par Kampf der Kulturen, hein, le choc ou le combat des cultures, c'est très significatif. Chez Spengler renouvelle cette opposition culture-civilisation qui a derrière elle toute une tradition, mais il la radicalise là aussi, parce que pour lui, la culture, c'est la vitalité. La civilisation, c'est absolument pas positif. C'est le déclin et la décadence. Spengler lui-même ne dirait peut-être pas que c'est négatif. Spengler lui-même dirait que ça fait partie intégrale de l'histoire d'une civilisation. On peut dire aussi que de son point de vue, la civilisation, c'est le nom que prend une culture dès l'instant où elle commence à décliner. Voilà. C'est ça qui est important. Comme l'âge. C'est la projection dans le temps. Voilà. Vous avez écrit là-dessus, je vous ai lu à l'époque, il y a très longtemps, déjà, dans votre bouquin sur les idées contemporaines. L'opposition culture-civilisation est évidemment une opposition synchronique. Et lui, il en fait une opposition diachronique. Et la civilisation, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, une culture qui se délite, qui va mourir, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Hein, c'est là, effectivement, tout son pessimisme et son déterminisme. Alors, je voudrais quand même vous dire, quand vous dites « il ne faut pas prendre docunt volentem traunt nolentem », c'est le contraire, « docunt nolentem traunt », il ne faut pas prendre cette phrase de Sénèque, hein, je pense, de façon aussi stricte. Là, je serais beaucoup plus spenglerien que vous. C'est-à-dire que si vous avez raison, ça veut dire que nous sommes dans une époque d'hédonisme de masse, de panem et circenses, pour employer la formule qu'il emploie pour résumer notre civilisation actuelle, de spectacle, etc., de consommation, de mythe du bonheur pour tous, etc. Il condamne ça très fortement, avec des arguments que moi j'accepte, évidemment. Et donc c'est pas ça qu'il faut accepter. C'est autre chose pour lui. Mais bon, la façon il n'est pas en train de dire « faut vivre comme le veut notre époque ». Hein, la possibilité de s'en canailler existe évidemment à chaque époque, même aussi à l'époque culturelle d'une société, et pas seulement celle de la civilisation. Mais ce que lui, par exemple, je crois que ça c'est évidemment l'un des passages qui a le plus intéressé et le plus frappé aussi les lecteurs, c'est qu'il disait, voilà, on est à une époque où la véritable création artistique propre à la culture n'est plus vraiment possible. Par contre, maintenant, c'est un âge où il y a l'inventivité technologique, l'impérialisme, et aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, aussi la possibilité de percevoir l'ensemble de l'histoire dans son entièreté. Selon lui, c'est aussi la seule époque où il est véritablement possible d'être un historien qui est non seulement englué, je dirais, dans la perspectivité ou le perspectivisme d'une époque culturelle, mais où pour la première fois, c'est possible de regarder au-delà de sa propre culture et de voir les autres. Et c'est comme ça qu'il se place lui-même, et c'est ainsi qu'il échappe aussi au reproche
approche de relativisme qu'on pourrait lui donner, parce qu'il dit, voilà, cette époque-là, c'est aussi une époque où, pour la première fois, il est possible de voir l'ensemble, finalement, de l'histoire universelle, ce qui correspond d'ailleurs très bien aussi aux époques analogues des autres civilisations, où à chaque fois, on trouve aussi ces grandes tentatives. Pardon, hein, c'est une argutie plus qu'un argument. C'est une façon de se poser lui-même en seul historien, avec son tact physiognomique, vous en avez parlé, hein, avec son sens un peu goethéen de l'œil qui voit tout, etc. Je trouve que là, quand même, on peut dire, bon, ok, vous avez du mérite, peut-être, mais vous n'avez peut-être pas tout vu et tout expliqué. Mmh. Mais une fois de plus, c'est de nouveau aussi très typique à l'intérieur de son argumentation, parce qu'en effet, on voit dans les différentes époques avec lesquelles il parallélise sa propre société, qu'en effet, à la fin, on voit à chaque fois apparaître cette volonté d'une philosophie de l'histoire universelle, que ce soit chez Tite-Live, que ce soit chez Simachian ou autre chose. Donc en effet, là, il n'a pas totalement tort que la fin de chaque époque civilisationnelle est aussi celle où on voit cette volonté de comprendre l'ensemble de l'histoire humaine. C'est évidemment au lecteur de se faire par lui-même une idée de la valeur de vérité de la philosophie de Spengler. Il faut signaler, on parle aujourd'hui dans cette émission du déclin de l'Occident, il faut signaler que Spengler a évidemment écrit beaucoup d'autres choses, des articles, des écrits politiques, qui montrent bien ses orientations politiques et qui ne sont d'ailleurs que très imparfaitement traduits en France, à l'exception de quelques brefs essais et d'un petit livre paru en 1919, Prussianisme et socialisme, qui a été traduit en France sous le titre Prussianité et socialisme. J'ai écrit là la préface à l'époque. Oui, absolument. Oui. Et ce petit livre de 1919 expose la façon dont Spengler, qui mettait très haut le style prussien, comme beaucoup de gens de sa génération, essaye de concilier le conservatisme et le socialisme. En 1931, il y a ce livre qui est assez célèbre, qui lui aussi a été traduit sur l'homme et la technique, Der Mensch und die Technik, dont une petite édition est reparue récemment aux éditions RN, Rouge et Noir, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Et puis, on arrive au tournant de 1933, évidemment, Hitler arrive au pouvoir, et au mois d'août, donc très peu de temps après, Spengler publie un livre, Jahre der Entscheidung, Les années décisives, qui va faire lui aussi beaucoup de bruit. Deux mois auparavant, il a refusé un poste qu'on lui a proposé à l'université de Leipzig. On va pas résumer le livre ici. Disons qu'en gros, Spengler dit « Nul plus que moi n'attendait une révolution nationale », mais assurément pas celle-là. Et le livre est mal reçu. Il est mal reçu par les théoriciens du régime. Plusieurs auteurs nationaux-socialistes, dont un ancien élève de Spengler, d'ailleurs, publient de véritables mises en accusation, pamphlets, très violents, se déchaînent contre lui. Et puis, bon, les choses se calment un peu, et il arrive dans une sorte de statut, dont on ne sait pas très bien s'il aurait été maintenu jusqu'à la fin, c'est-à-dire que Spengler continue à publier, mais la consigne est donnée. Enfin, il continue à écrire. En allemand, er wird gleichsam totgeschwiegen. Il était déjà fort malade à ce moment-là. Disons que plus exactement, il continue à écrire plus qu'à publier, et que la consigne est donnée de ne plus parler de lui. Voilà. Totschweigen, c'est-à-dire tué par le silence. Hein. Donc la chape de plomb s'abat sur lui. Les choses, à partir de là, vont aller très vite. En 1934, c'est la nuit des longs couteaux qui renforce encore l'hostilité de Spengler au régime, d'autant plus que l'un de ses amis, le critique musical Willy Schmidt, dont il a tenu à prononcer publiquement l'éloge funèbre, a été au nombre de ceux qui ont été tués, et détail horrible d'ailleurs, il a été tué parce qu'il était l'homonyme d'un Willy Schmidt de l'ASA, donc c'est une histoire un peu folle. En mai 1936, je le disais en ouverture de cette émission, donc 3 ans après l'arrivée d'Hitler au pouvoir,
Spengler meurt d'une crise cardiaque. Il y aura des rumeurs selon lesquelles les nazis l'auraient assassiné, mais qui ne semblent pas être fondées. Oui. Il était de toute façon, il avait été réformé pour insuffisance cardiaque, mmh. donc qu'il soit mort d'une crise cardiaque n'est pas vraiment pour surprendre. Et puis le rideau se tombe. Quelque temps auparavant, il avait démissionné de l'archive Nietzsche. Parce qu'il déplorait le ralliement de la sœur de Nietzsche, Elisabeth Förster Nietzsche, au nouveau régime. Et dans ses écrits qu'on a retrouvés par la suite, inédits, il se déchaîne contre le nazisme avec une violence, il faut bien le dire, assez incroyable. Alors tout n'a pas encore été publié, mais c'est en train. Je crois que c'est en train. Alors, après sa mort... il va continuer quand même à être lu. Il avait été lu par des gens comme Arnold Toynbee, autre auteur d'une philosophie de l'histoire. Il va être lu et peut-être médité par Henry Kissinger aux États-Unis. Raymond Aron qui le critiquera, mais enfin, il ne va pas être totalement oublié, même si on va moins parler de lui pendant un certain temps. Sa sœur, en particulier, va déployer des efforts important pour continuer à le faire connaître. Et il aura un exécuteur testamentaire en la personne, je crois, de Anton Mirko Koktanek. Que j'ai bien connu. Que vous aviez bien connu et qui s'est employé à faire paraître des écrits. C'est sa nièce surtout qui a été son exécutrice testamentaire, Hilde Cornard. Hilde Cornard. Voilà. Et l'une des rares qui savait déchiffrer plus ou moins son écriture tardive. Qui malheureusement, en 1945, mourant de faim un peu, a vendu sa bibliothèque. Et donc, on n'a pas retrouvé la bibliothèque de Spengler. C'était un drame, évidemment, pour, par exemple, Armin Müller, qui faisait un peu comme vous, qui recueillait tout ce qu'il pouvait, qui avait une bibliothèque extraordinaire. Ouais. Et ça, c'est effectivement un peu dommage. Oui. Je voudrais quand même... Je peux dire quelque chose ? Bien sûr. Il faut quand même voir aussi, vous voyez, moi, je suis toujours critique, la façon... Enfin, les raisons de la critique spenglerienne à l'égard du national-socialisme. Ce qu'il leur reproche, c'est d'être trop... libéral, ou libéraux, si vous voulez, si on met plus rien. Ce qu'il reproche, c'est qu'il y ait encore un parti, c'est que Hitler ne soit pas césarien, qu'il fasse un peu de la démagogie. Hein. Autrement dit, il ne cherche pas du tout à défendre la démocratie, il trouve qu'ils sont encore trop démocratiques ou libéraux. Hein. Oui, voilà. Enfin, bon, il est sûr que Spengler n'est pas un démocrate. Ça, il n'est pas démocrate. C'est tout à fait clair. Dire qu'il reproche uniquement au national-socialisme d'être trop libéral et d'être plébéien. C'est un peu exagéré. Il y a deux reproches, en effet, il y a plébéien. Il y a ce reproche-là de trouver que, contrairement à Mussolini, avec ses attitudes nietzschéennes, etc., il trouvait que le national-socialisme était trop, disons, trop prolétaire, populacier. Trop plébéien, d'un côté, et d'un autre côté aussi, ce qui lui semblait évidemment inacceptable de son point de vue historique. En tout cas, c'était évidemment la doctrine raciste qui était en opposition totale avec justement cette idée d'une parité, d'une égalité, d'une symétrie entre les grandes cultures. Ça, c'est évidemment quelque chose comme l'a dit Daniel Lévy, qu'il y ait 80 millions de Herrenrasse. Pour lui, la race n'est pas compatible avec la masse. Il a une conception, effectivement, d'un côté très vitaliste, et d'un autre côté très aristocratique. Quand il parle de race, il dit que ce n'est pas la race à laquelle on appartient qui compte, c'est la race que l'on a et que l'on incarne. Donc c'est une sorte de principe spirituel. C'est une racisme, non pas dans le sens biologique, le sens de l'ancien français. D'ailleurs, il insiste bien sur le fait que la notion d'essayer de mettre en adéquation la langue, la race, le sang, comme il le montre à l'exemple des Iraniens et des Perses, est évidemment totalement erronée, qu'au contraire, il s'agit dans la notion de culture et de race de plutôt quelque chose de spirituel qui se transmet plutôt par la filiation volontaire, par la transmission éducative. Malheureusement, il emploie le mot de sang. Tout le monde l'employait, mais d'un autre côté, l'expression ou le slogan « Blut und Boden », c'est quelque chose dans lequel il ne rentre pas du tout. Le mot « sang », tout le monde l'employait le mot « sang ». Je ne sais pas. Je trouve que c'est malheureux, évidemment, peut-être a posteriori, on le trouve malheureux, plus malheureux qu'il n'était à l'époque. Mais je trouve, si vous voulez, il y a quand même ce principe vitaliste d'incarnation d'une lignée
qu'on peut admettre d'ailleurs finalement. Oui, bon, c'est tout aussi son ambiguïté, là je parlais d'un article, de sa notion de race, parce que la race est à la fois quand même un enracinement, si vous voulez. Oui, bien sûr. Vous dites Bluton-Bowden, il y a quand même l'idée que l'impérialisme c'est à la fois l'achèvement, comme ils le disent, comme il le dit, d'une civilisation, ex-culture, hein. Mais c'est aussi le fait, il rejoint un petit peu d'ailleurs la thèse de Kennedy, qu'elle sort de son paysage originaire. Hein. Il y a effectivement une petite idée d'arrachement, si vous voulez, de déracinement dans sa vision de la décadence. Hein. Il rejoint un peu Lénine, hein, qui faisait oui. aussi de l'impérialisme le stade ultime de quelque chose, en l'occurrence du capitalisme. Absolument, il rejoint aussi Lénine, on pourrait citer Lénine. Moi je le cite d'ailleurs dans mon bouquin qui va sortir donc le 13 février, mmh. hein, qui reprend un peu ma thèse, mais en l'actualisant. Et Lénine a par exemple sur la critique, ça c'est très important chez Spengler, la critique mmh. aussi du capitalisme financier international, pas absolument mmh. nouveau de son temps, hein. Hilferding, mmh. Werner Zombart, etc. Mais c'est important, c'est-à-dire c'est... En même temps, il faut insister aussi sur le fait que, contrairement à Toynbee, par exemple, le lien que fait Spengler entre une culture et un territoire est un lien essentiellement spirituel, alors que chez Toynbee, par exemple, plus tard, on aura aussi ce lien, mais qui sera, lui, un lien un peu mécanique, si on veut, de challenge and response, c'est-à-dire que la nature dans laquelle une société grandit pose un certain devoir qu'alors les hautes cultures remplissent et ainsi créent un renouveau culturel. Spengler a une vision, je dirais, beaucoup plus à la fois esthétique, mais aussi métaphysique de la naissance d'une culture qui n'est pas seulement le produit d'un territoire, mais qui presque se choisit aussi son territoire et qui, comme il le montre bien, le façonne aussi. Il y a un bel article d'ailleurs de Dejo Csestai sur la question du lien entre paysage et culture, comme l'un et l'autre s'influencent mutuellement, ce qui renvoie aussi au fait qui est souvent oublié et qu'il faudra peut-être aussi accentuer, c'est que Spengler a été d'ailleurs l'un des premiers penseurs à vraiment avoir développé une certaine notion aussi de l'équilibre écologique, de la possibilité aussi d'un empoisonnement même de toute la planète par la civilisation occidentale. Oui. Donc là aussi, on a quelque chose qui est assez novateur, oui. finalement, qui pose, notamment oui. dans les dernières pages de oui. l'homme et la technologie. Permettez-moi de vous dire qu'il pompe énormément Clagos, hein, dans les mm-hmm, pages. Mm-hmm. Il pompe énormément Clagos, qui lui-même s'inspire de la Heimatschutzbewegung, etc., de mmh. tous les courants alternatifs de la fin du XIXe siècle. Hein. C'est sûr. Hein. Bien, il nous reste malheureusement peu de temps. Je voudrais qu'on dise juste quelques mots, très vite, sur l'état actuel. Est-ce qu'il existe des études spenglériennes dans le monde? Moi, j'ai vu paraître, à l'occasion du 100e anniversaire du déclin de l'Occident, un grand nombre de livres. Vous y avez collaboré les uns et les autres. Il y en a dans différents pays. Est-ce qu'on peut dire que les études spengleriennes existent toujours, qu'elles reprennent un peu du poil de la bête? Cette société Spengler que vous avez constituée, je suppose qu'elle vise essentiellement à coordonner un peu les efforts d'universitaires, de spécialistes. En fait, notre but, c'est de ne pas être un club de fans ou autre chose dans ce style-là, mais plutôt d'être un genre de plateforme ou des voix critiques, des voix qui essayent aussi de voir Spengler avec un certain intérêt, puissent se côtoyer, puissent discuter ensemble, à la fois sur des questions évidemment de son ancrage dans son monde contemporain, où en effet il y a beaucoup de choses à dire et certainement aussi à critiquer, mais d'un autre côté aussi de voir son apport pour l'historiographie universelle, pour les parallélismes entre cultures, justement quelque chose qui revient de plus en plus avec les études d'empire comparaison entre Rome et Chine par exemple. Là, Spengler est vraiment, je crois, un esprit très fertile dont on peut puiser ou dont on peut tirer beaucoup d'inspiration, et ça c'est un des buts de notre société, de lancer un peu le débat sur quand Huntington avait publié son livre sur le choc des civilisations, beaucoup d'auteurs avaient dit « Ah, ça rappelle Spengler oui. ». Je ne suis pas sûr que la comparaison puisse être poussée très loin, d'ailleurs. Non. Mais c'est réapparu, en tout cas. C'est quelque chose, précisément, que Spengler, qui a vu beaucoup de choses. Hein. Moi, si vous voulez, le côté intéressant de Spengler, c'est, comme je l'ai déjà dit, un lanceur d'alerte, etc. Vous savez, c'est la formule du dernier article, à ma connaissance, de Bouvray sur Spengler, ce qu'on peut apprendre auprès de personnes auxquelles on ne voudrait pas ressembler. Hein, c'est exactement aussi ma position. Hein, c'est-à-dire que
je ne peux pas accepter sa philosophie pratique. Or, lui disait et a dit tout de suite, « Ich will kein Weltsystem, ich will ein Weltbild. » Je veux une image du monde qui permette d'agir. Et le sens qu'il veut donner à notre action, alors, qu'on le prenne comme, comme base de réflexion sur la façon d'écrire l'histoire, après tout, pourquoi pas ? L'histoire, ou plutôt l'historiographie, puisque l'histoire n'existe que par l'historiographie, est toujours, comme l'a dit Voltaire, repris par Napoléon, une fable convenue. Hein, justement, et Spengler le dit lui-même, d'ailleurs, elle est toujours vue d'une certaine perspective. Alors lui dit qu'il est en dehors d'une perspective, je ne le crois absolument pas. Hein. Alors on peut avoir, évidemment, toutes les opinions qu'on veut sur Spengler, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que son livre a marqué une étape. Et a marqué son temps, du point de vue de l'histoire des idées contemporaines. On ne peut pas faire l'impasse sur l'homme et sur l'œuvre. Mais il y a une dernière question, en conclusion, une question que je pose avec un peu de... avec un demi-sourire, si vous voulez, c'est... Spengler distingue 8 grandes cultures, dit que la nôtre, qu'il appelle la culture faustienne, arrive à sa fin. Alors, la nature ayant horreur du vide, et en général, selon Spengler, une culture devant succéder à une autre, où est la 9e culture ? Alors, est-ce que c'est la Russie ? On en a dit deux mots tout à l'heure. Il n'y croyait plus beaucoup à la fin. Il n'y croyait plus beaucoup. Néanmoins, il a quand même été très longtemps pro-russe. C'était d'ailleurs... il s'intéressait beaucoup à la Russie. C'est l'un des reproches qu'il faisait également au nazisme d'être congénitivement antislave. Il considère... il était anti-bolchevique quand même. Bien sûr. Mais antislave et anti-bolchevique, ce n'est pas la même chose. Et il considérait en même temps que la Russie était un monde fondamentalement différent du nôtre. Il l'a rangé parmi les farbige Völker, les peuples de couleur. Voilà. Une partie des Slaves aussi, d'ailleurs. C'est ça. Mais il n'était pas de ceux qui auraient dit l'Europe fait partie de la Russie fait partie de l'Europe. Au contraire. Il y voyait, au contraire, un monde très différent. Ouais. Mais il écrit, je n'ai pas la date, donc ça peut être placé quand on veut, « La Russie est la promesse d'une culture du futur, alors que l'ombre du crépuscule assombrit peu à peu l'Occident. Mm-hmm. » Alors. Voilà. Oui. Encore une fois, je répète, dans Mensch und Technik, l'homme et la technique, il dit, il y aura un retardataire fatigué qui sera. Ouais. Et moi, je crois plutôt que ce qui s'annonce un petit peu dans la... J'avais écrit aussi, d'ailleurs, Müller avait apprécié, c'est plutôt l'idée peut-être d'une histoire technique. Alors, celle-là continuiste, vous l'avez dit dans un de vos articles récents, là, histoire technique où il y a une cristallisation de l'histoire, une post-histoire, mais enfin, une post-histoire où il n'y aura plus vraiment de nouvelles cultures, de grandes cultures, de hautes cultures, plus de véritables nouvelles grandes religions, tout ça, ça reste évidemment de la spéculation, mais simplement un déterminisme technique avec des nouveautés incessantes, mais sans arts véritablement originaux, etc. Je dirais que là, Spengler est certainement... Si on veut fantasmer... Spengler est certainement devenu là la victime de sa tendance vers un style tragique, héroïque ou autre chose. Si on voit ça de notre perspective et si on assume, comme moi je le fais, un point de vue qui était inspiré par celui de Spengler, nous ne savons pas de quoi les prochains millénaires sont faits. Il est tout à fait possible et même très probable qu'il y ait d'autres cultures après nous, mais nous on les verra pas. Bien sûr, nous ne manions pas la boule de cristal. Ce qui m'a plu dans le discours de Houellebecq, c'était qu'après tout, il n'est quand même pas aussi pessimiste que Spengler, parce qu'il pourrait y avoir une renaissance du christianisme. Oui, c'est comme ce il y a une renaissance de l'islamisme, qui n'était absolument pas prévue par Spengler. Oui. Spengler a tout à fait... C'était une religion de fait là. Il a quand même prévu aussi la possibilité d'un nouveau califat. Il a prévu la possibilité d'un nouveau califat. Oui, Spengler. Dans Neubau des Deutschen Reiches, il y a ce passage. Neubau des Deutschen Reiches, l'avant-dernière page. Bon, c'est d'ailleurs pas un raisonnement c'est pas un raisonnement très spenglerien. Donc, on est obligé de s'en tenir là. Merci à vous, l'un et l'autre. Le mot de la fin, peut-être, je le reprendrai chez Gilbert Merlioz, Spengler, lanceur d'alerte. Voilà. Je trouve que la formule est peut-être à retenir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.